Ce sont des produits pharmaceutiques dangereux pour la santé que des éléments de la direction des enquêtes de la police nationale ont saisi ce mardi à Adjamé-Roxy. Environ 11 tonnes de médicaments estimés à plus de 40 millions de francs CFA. Parmi ces produits, on trouve des produits psychotropes qui ont les mêmes effets que la drogue que nous combattons habituellement, la cocaïne, l'héroïne ou même le cannabis. C'est un signal fort que nous voulons envoyer à tous ceux qui s'adonnent à la vente des médicaments non autorisés sur les marchés, dira le commissaire Mamadou Bamba. Aujourd'hui, nous sommes contentés de saisir les produits. Nous avons voulu les toucher sur le plan économique. Mais c'est sûr qu'à l'avenir, nous allons procéder à des arrestations et au déferrement des personnes devant les tribunaux. Ces produits pharmaceutiques seront incinérés. Selon la direction des enquêtes de la police nationale, en moyenne, 240 kg de médicaments non autorisés sont saisis chaque mois dans le district d'Abidjan.